Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika, nous sommes vendredi 14 mai 2021, c'est parti ce matin pour une petite vidéo à action de Ponto Combo. On rejette juste un petit coup d'œil sur les bikinis, maillots de bain, deux pièces, ils sont à 4,49€, je trouve qu'il y en a des très jolis, il y a plusieurs modèles, hein. Et il y a les une pièce qui sont à 5,95€. On a celui-là aussi, j'ai trouvé très sympa. Un petit tour dans les moules en silicone à 1,79€. J'ai vu sur TikTok une préparation de gâteaux. Vous savez, les gâteaux sans cuisson, on va mettre du chocolat et puis des amandes, des cacahuètes pilées, soit des biscuits. Avec ça, et tout de suite, j'ai reconnu le moule de chez Action. Et du coup, j'ai dit c'est pas mal. J'avais pas pensé à faire ce genre de petits gâteaux dans ces moules-là. 1,79€. On peut faire 9 petits gâteaux. Donc, en fait, ça fait ça. Ça fait un petit dessin de fleurs. Donc on a les moules à madeleine, les petits nounours et les petits, je ne sais plus comment on appelle ça, on peut ce genre de moules, on va dire des moules rectangulaires, 1,79€ pour faire genre des financiers, etc. Après avec ça on peut faire exactement les mêmes styles de gâteaux que je vous ai dit, les gâteaux sans cuisson. Hein. Tiens, on m'a demandé quel poêle je vous recommandais de chez Action. Alors, je vais vous recommander des poêles que moi j'ai utilisées. Celle-ci, les 3 pour 24,95€. Par contre, juste petite info, ça passe pas en lave-vaisselle. Mais en fait, c'est un lot que j'ai plus. J'ai dû les garder 3-4 ans. Et maintenant, j'ai les poêles, mais malheureusement, elles sont plus en rayon. C'est celle avec le manche imitation bois. Je crois que c'était la marque Masterchef. Et celle-là, bon, bah, du coup, j'ai dû m'en séparer parce que. Moi je les utilisais, enfin je les mettais au lave-vaisselle malgré tout, et donc du coup ça les a abîmés. Niveau ustensiles, ils ont pas mal de choix, hein. Ils ont des petites cuillères 49 centimes les 6, les grandes cuillères, les couteaux, les coupes pizza 99 centimes, les râpes à fromage, je vois pas le prix 99 centimes, les fouets 1,49€, les louches 1,49€, l'ouvre-boîte. Je vois pas le prix de vos boîtes, ça doit être pareil, 1,49€. Le presse-purée, ça c'est super pratique. D'ailleurs, j'avais fait moi une farce où j'avais mis des pommes de terre et je les avais écrasées comme ça avec ça. Et j'ai une de mes copines qui m'a dit, mais elles sont trop bonnes tes pommes de terre, parce que c'est ni de la purée, ni de la pomme de terre en morceaux. Et elle avait aimé la texture. Et je lui ai dit, oui, je fais ça avec l'écrase purée, parce que comme ça, ça évite, voilà, ça fait ni trop liquide, trop, vous voyez, purée, ni pomme de terre en morceaux. Et même parfois bah, je fais de l'écrasé de pommes de terre. Alors c'est vrai que c'est pas comme la purée, c'est pas aussi lisse, mais c'est vraiment très bon. La spatule 1,19€, donc l'ouvre-boîte est là, 1,80€. Pardon, pas un ouvre-boîte, ça c'est un presse-ail, 1,99€. Tiens, on a ces bacs de rangement en bambou, donc le retour, 1,49€. Alors ces rangements en bambou, on en a eu de toutes les tailles, et c'est vrai que c'est un modèle qui plaît beaucoup. Alors des fois on a le grand, des fois on a le plus petit, et donc là c'est celui qui fait 23 cm. Allez, les boîtes à provisions, on a celle-ci 1,49€, on a vert, bleu et gris, donc à chaque fois on a trois inscriptions différentes, thé, coffee ou sucre, ça doit être au fond, 1,49€. Et le retour aussi de ces pots de conservation, donc avec les différents textes, 1,55€. Tiens, les tours ventilateurs d'intérieur, 19,99€. Après, c'est ce que je dis toujours, c'est vrai qu'entre les tours et les ventilateurs, les ronds là, c'est vraiment chacun ses préférences. 19,95€. Et après, on a les clims. Alors, les clims, on a eu deux modèles, deux marques. Donc, celle-ci, je sais qu'elle est à 199€. Et on va bientôt avoir aussi les rafraîchisseurs d'air. Alors la différence entre le climatiseur et le rafraîchisseur d'air, c'est à peu près la même apparence en plus. Hein. Mais en fait, le rafraîchisseur d'air, vous allez vous mettre de l'eau fraîche. Et c'est ça qui va rafraîchir la pièce. Et là, par contre, bah, voilà, faut prévoir une sortie. Bon, parfois, on la met juste à la fenêtre. Hein, et puis en plus, ils font pas mal de choses, justement, quand vous allez dans les magasins de bricolage. Pour mettre dans la fenêtre, pour que vous savez, il y a juste la sortie du tuyau. Donc dans les ventilateurs, ce que j'appelle les ventilateurs ronds, on a ceux-là, ils sont à 12,95€, et on a ceux sur pied à 15,95€. Alors je vous ai prévenu, hein, si vraiment vous savez que vous allez avoir besoin d'un ventilateur, n'hésitez pas à le prendre maintenant, même s'il fait pas encore très chaud.
parce que ça, c'est des produits, je sais pas pourquoi, les gens se réveillent un matin et hop, il n'y en a plus en magasin. Un autre petit truc sympa, mais c'est vraiment d'appoint, c'est ce refroidisseur d'air compact à 9,95 €. Vraiment d'appoint à côté du canapé, à côté de son lit, etc. Ça va pas refroidir toute une pièce, mais moi j'en ai deux et vraiment ça dépanne bien. Ça peut être aussi, je sais pas, si vous partez en camping ou autre. Tiens, le retour des nattes de plage, 1,37 €. Ah bah voilà, là, je vous avais parlé de cette gamme d'assiettes mélaminées. Donc c'est la nouvelle gamme qui vient d'arriver avec les petits dessins comme ça. 99 centimes, alors attendez, je me trompe pas. Donc le plateau 2,69 €, les plats 89 centimes, on a les saladiers aussi à 2,49 € et on a les gobelets. Donc les gobelets c'est 79 centimes l'unité. Tiens, une nouveauté, d'ailleurs il n'en reste pas beaucoup, c'est les couverts. Donc 99 centimes, fourchette, cuillère, grande cuillère, petite cuillère et couteau. C'est de la fibre de bambou. Alors par contre attention parce que ça passe pas au lave-vaisselle, ni au four, ni au micro-ondes. Tiens, alors hier je vous ai présenté ces petits glaçons, bâtons de glace réutilisables. Et je vous disais mais je sais pas ce qu'on peut faire avec. Et puis bah, en fait c'était tellement simple, vous me l'avez dit en commentaire, tout simplement pour mettre dans les bouteilles d'eau. Les bouteilles, les carafes, etc. Elles existent aussi en couleur. Ça peut être, je me dis, pourquoi pas aussi, vous savez, dans le petit sachet de goûter que vous allez emmener au parc. Parce que souvent, quand on va au parc, on est obligé, hein, quand on sort, en tout cas, quand on a des enfants, on est obligé de prendre quelques petits goûters. Mais quand il fait chaud, quand on prend des gâteaux au chocolat, bah, ça a vite fait de fondre. Donc pourquoi pas mettre ce genre de petits glaçons au fond du sac. Ça va pas rester toute la journée, mais peut-être... Peut-être moins. Et bricolage, on a le retour du pistolet. Je vois pistolet à mastic. Mais vous savez, c'est pour mettre les flacons là, de silicone, etc. 2,99 €, il est en métal. Alors c'est vrai que celui-là, je n'avais pas fait attention. Celui-là, il est en métal. Et des fois, ils en ont un en sorte de plastique rigide. Donc 2,99 €. Je vois aussi à côté une petite nouveauté. C'est ce cutter rotatif. 3,99 €. Je vois beaucoup pour le loisir créatif, mais c'est vrai que ça doit être pratique pour couper, je sais pas, du plastique ou des choses comme ça, beaucoup plus rapidement, je pense. 3,99 €. Alors on est au rayon bricolage. On a aussi cette petite boîte. J'ai précisé rayon bricolage parce que je sais que c'est des produits qui peuvent aussi être utilisés loisir créatif. On a cette boîte d'accessoires. Avec des petits mousquetons, des porte-clés, des petits anneaux. Alors les anneaux peuvent être utilisés en loisir créatif pour la pâte Fimo. Donc c'est 1,99 €. Il y a pas mal de choses rayon bricolage qui sont utilisées en loisir créatif. Comme tout ce qui est cordes, boîtes de rangement. Voilà, ce genre de petites boîtes de rangement. Il y a 5 compartiments. 5 compartiments pour 99 centimes. Moi j'en ai une et je range mes piles dedans et c'est vrai que c'était une de vous qui m'avait soufflé cette idée. Mais cette boîte elle est aussi utilisée pour ranger tout ce qui est paillettes, enfin tout ce qui est petit accessoire pour le loisir créatif. Voilà, il y a aussi toutes ces cordes qui sont utilisées dans le loisir créatif. Alors j'en ai vu souvent pour faire les petits bracelets là d'été. Les poignées aussi de meubles, 2,99 €. Les 4. Alors il y a ce set de poignées dont on a longtemps entendu parler sur les réseaux sociaux, 8,95 €. Donc c'est une poignée noire mat, très simple, donc pour refaire une porte d'entrée. Alors attention, regardez bien, c'est pas des c'est pas les poignées où il y a si vous avez une porte avec le trou déjà pour la serrure, ça risque de pas aller parce qu'après on va voir la serrure. Vous voyez, c'est comme ça. Donc à vous de voir d'abord si ça va bien sur votre porte. 8,95 €. C'est une poignée, hein, c'est pas les poignées, vous savez, pour faire joli et qui servent aussi pour ouvrir la porte. Mais ça, c'est vraiment une poignée, on appuie dessus pour ouvrir la porte avec le mécanisme. Enfin, le mécanisme n'est pas fourni. Voilà, vous voyez, hop. Tiens, le set de pinces, 1,99 €. Alors hier, je vous avais montré le retour de ces patères pour les portes, donc je ne vous avais pas donné le prix. C'est 1,99 €, elles existent en noir et en blanc. Alors attention, voilà, c'est quand même... Oups là, l'histoire. Désolée pour ceux qui écoutent avec leur écouteur, pour les oreilles.
c'est comme un peu l'histoire des poignées. Faites attention, vous voyez comment c'est le système. Alors moi, je sais qu'il y a les portes, je sais pas, qui ont moins d'une dizaine d'années. Il y a certaines portes où en haut, ça fait comme ça. Et donc, vérifiez bien, parce que si votre porte elle est comme ça, ça passera pas, vous voyez. Il faut que le haut de votre porte soit bien plat pour que ça puisse passer et puis revenir de l'autre côté. Alors si un jour vous avez un souci comme ça, vous arrivez, ça ne va pas sur votre porte, hein, n'oubliez pas, vous avez 8 jours pour vous le faire échanger ou rembourser. Hein. Alors je précise parce que des fois, je vois dans les groupes des personnes qui achètent des articles, alors sous prétexte que c'est pas cher, alors, bah, ça coûte qu'un euro, bah, c'est pas grave. Alors c'est vrai que si vous habitez à 50 km d'un Action, bon, faire un aller-retour pour se faire rembourser un article de 1 euro, bon, je me poserai deux fois la question, mais si vous savez que dans la semaine vous êtes aux alentours d'un Action ou quelque chose comme ça, bah, n'hésitez pas à vous le faire rembourser. Hein. Et c'est aussi un moyen, je pense, aussi de savoir quand il y a des articles défectueux, parce que une fois je me suis imaginé ça, si par exemple ils vendent des articles à 20 centimes, mais que personne ne les ramène jamais, ben, en fin de compte, eux ils estiment que c'est des bons produits, et donc ils vont faire que ça, d'en produire. Enfin, c'est une réflexion que je me suis faite. Donc n'hésitez pas, quel que soit le prix de l'article, s'il a un défaut, faut pas hésiter à le ramener. Tiens, jeu de lancer double face avec 6 sachets. 6,95. Alors c'est rigolo, moi j'ai découvert ces jeux-là, c'est dans la série, je pense que vous connaissez Malcolm. Non, c'est pas Malcolm. Oh, je sais plus. Je sais plus, tiens, le nom de la série. Enfin, c'est une série comme ça. Et en fait, c'est des jeux très américains où voilà, il y a ça et puis il faut viser le trou. Alors il y a d'autres jeux hein, qui ressemblent. Mais vraiment ce jeu-là où il y a des trous, il faut viser avec les points, c'était là que j'avais découvert ça. 6,95. Bon, ça m'énerve parce que depuis tout à l'heure, entre deux là, je cherche le nom de la série, mais c'est pas grave. Bref. Les masques visage tissu. Donc il y a les trois nouveaux là, donc au gingembre, myrtille et grenade. 59 centimes. Alors ils ont tous les trois la même. Ils sont tous les trois pour garder la peau saine, voilà. Ils sont pareils tous les trois. Après ça à vous selon le parfum ou la couleur. 59 centimes. Oh tiens, une nouveauté. Depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas présenté de nouveauté. Nouveauté ou peut-être nouveau packaging. 1,99€ le brumisateur. Donc on a celui-là. Je vois pas de parfum. On voit juste que ça brille. Donc on a celui-là. Et celui-là, alors c'est très sympa parce que donc les anciens, hein, c'est parfumé, il y a une petite odeur parfumée, puis en fait ça fait un peu la peau qui brille, un peu satinée. C'est très agréable, surtout l'été. Alors voilà, les anciens packaging, c'était ceux-là. Alors on finit par des bonbons aux fruits. Et du coup, je vais vous demander, vous, si vous vous rappelez de la série dont je parlais, pour vous donner une petite, un petit indice, en fait, le père qui joue, enfin celui qui joue le père dans cette série, il jouait dans une autre série dont je ne me rappelle pas le nom. Et en fait, c'était dans un hôpital, et lui, il était homme de service, voilà. Et donc, il y avait le médecin, et puis en fait, les héros, c'était des jeunes internes. Voilà, bah, dites-moi si vous voyez de quelle série je parle. Bref, allez, je me dis des fois, mais les gens qui connaissent pas ma chaîne, qui tombent sur ma chaîne, doivent se dire, mais elle parle. Des fois, elle sait même pas ce qu'elle dit. Si, je sais ce que je dis. Mais bon, vous savez, la mémoire, c'est comme partout. Puis j'ai tellement de choses à penser. C'est ce que je disais à la fois à une abonnée. Quand je vous montre un article, alors c'est très simple, hein, mais moi, derrière, je suis là et j'essaie de regarder s'il n'y a pas un autre article à vous présenter à côté. Je suis en train de réfléchir sur le prix, sur... Voilà, bref, hein. 1,39€ les bonbons Mawam. Alors ceux-là, ils sont bons parce qu'ils sont aux fruits. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très très bon début de journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi. Je vous dis à plus tard.